Salut les amis, c'est Willy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Atrius dans ce décor magnifique. Je sens que l'ambiance, ça va être pas mal. Donc allons-y, et on a perdu déjà le chien. Ça commence bien. Ah bah, il est là. D'accord, on se verra de l'autre côté, c'est ça? C'est gozo. Où sommes-nous? Est-ce que tu me comprends? Oh, salut toi. Bon, où est-ce qu'on va? D'accord. C'est pas mal. Je faisais un rêve très étrange et puis je me suis réveillé ici. Est-ce le bois de fer? Sais-tu comment je suis arrivé là? J'ai rêvé jusqu'ici? Remarque, ça ne peut être que ça, puisque je suis là. Il y a une grosse tentacule là-bas. Une odeur? Quelle odeur? Oh, ça doit être Fenrir que tu sens. J'aurais voulu qu'il soit là. Mais vous êtes nombreux, hein? J'ai l'impression d'être mougli là. Ouh. C'est quoi cette odeur? Allez, mettons en slip. L'air ici est... Je ne sais pas. Plus doux? C'est peut-être ces arbres. On est encore là. Vous me le diriez si vous vouliez me manger. C'est une plaisanterie, hein? Oh là là. Je n'avais encore jamais vu de forêt comme ça. Moi non plus. Par ici? Je l'ai pas encore terminé. La peinture provient de l'écorce des arbres du bois de fer. Elle absorbe les souvenirs de la forêt, ainsi la peinture s'en souvient elle aussi. Des souvenirs du passé... ou du futur. Je n'aimerais pas le tacher de sang. Oh, c'est... vraiment toi? Tu sais qui je suis? Qu'y a-t-il? Je crois... que j'ai attendu ce moment toute ma vie. Tu es... plus étrange que je l'imaginais. Oh. Excuse-moi. J'ai été blessante. Un peu. Quelle idiote. Je suis déjà en train de tout gâcher. C'est que tu es la première personne à qui je parle depuis vraiment très longtemps, tu vois.
Et étrange, ça peut être bien. Merci. Recommençons. Je suis Anger Boda. Tu dois avoir beaucoup de questions. Oui. Où sommes-nous exactement? Tu auras les réponses que tu cherches. Enfin, quelques-unes. J'ai déjà oublié son prénom. Quand tu dis que tu me connais... Je te l'ai dit. Tu auras les réponses que tu cherches, Loki. Oui. Ce n'est pas ton nom? Si. C'est beau quand même, monsieur. C'est bien mon nom. Je suis Loki. C'est toute beauté. Tola. Nouvelle compétence. Oh ouais. Ouais. Ok. Ouais, je sais quoi. On l'a déjà vu. Bon, les parades, c'est même pas la peine avec moi. Bon, on va prendre le premier. Voilà. Par ici. Je vais me débrouiller. Alors, où suis-je exactement? Il y avait cette ligne étrange. On dit que lutin de garde peut être déstabilisant, mais tu ne crains rien dans le bois de feu. Coucou. Mais je croyais que le bois de fer n'était pas réel. C'est malin, non? Lutin ne cherchera pas la forêt des géants si tu penses que c'est vraiment. La forêt des géants. C'est ainsi que certains l'appellent. Ah. Pourquoi ils mettent des vases comme ça? Qu'est-ce que c'est? Une broche. Elle est grande? Je croyais que les géants n'étaient pas vraiment... géants. Et... tu fais quoi ici? Je peins, je furette, je survis, je préserve ce que je peux. Mais pourquoi tu m'attends, moi? Parce que c'est mon destin de te révéler le tien. Attention! Oh. C'est celui. J'aime bien ces petites couleurs, elle, c'est sympa. Je survivais à Fimbulwetter. Hé, est-ce que ça existe ici? Tu sais ce que c'est? Bien sûr. Je serai juste au-dessus. Continue dans la même direction. Ouais, moi, tu sais, du moment qu'il y a un coffre. Une cote de maille? Je me demande ce que Brock et Sindri en penseraient. Qui? Oh, c'est...
Un peu comme des ombres. Oh. Un peu. Les géants de Midgard sont étranges. Ce sont des nains, en fait. Ça reste étrange. Il y a des cauchemars ici aussi. C'est bio. Ah, attends, du coup. D'abord. Oh, il y a un truc là, donc moi je vais là-bas. Ça te plaît tout cassé? C'est juste un truc que mon père. Tu sais quoi? Laisse tomber. C'est pas mal. Merci. Quoi? Oh, oui. Ne t'en fais pas. Un truc fou. Gueule pas. Pas de coffre, pas de coffre. Gueule pas. Ah, je suis dégueulasse. Rencontrer une autre géante. Et elle pourrait détenir mon destin. Quoi ? Non, rien. Je suis seulement content de te parler. D'accord. Oh, ça a l'air rigolo. Du coup, ça fait comment ça ? Madame, on va où ? Attends, où là? Elle est où elle en fait? Madame? Alors. Tout se passe bien, non? Oui. Je suis dans une forêt magique qui n'existe pas. Et je parle à une autre géante qui est très... Ouais. Wouh. Hé, où es-tu? Par ici. Où ça? Ah, là-bas. Ok. Un petit bisou. Je te tiens. Merci. Je me suis pas encore fait à ce nouvel environnement. Où est-ce qu'on va? Ma mère a consigné ses visions et ses prophéties. J'ai pensé que t'aimerais les voir. Où sont tes parents? Ils sont pas là. Est-ce qu'ils sont... Hey, je sais que t'as beaucoup de questions, mais pas celle-là. D'accord? Désolé. Poudre-le, vas-y! Allez! Aïe! Stop!
Oh, ben, oh, il m'a bien accroché, lui. Un petit soin, ça fait plaisir. Tu te défends bien. Merci, toi aussi. Champion, je dirais. Merci. Toi aussi. On a tout repeint. Bon. Moi, j'ai vu un petit... Pourquoi une barrière, là? Y'a rien avec la balle. Bon. Titi pour faire beau. Est-ce que tu peux m'aider? Oh, bien sûr. Attends. Vas-y, à toi. C'est le médaillon de Iti. On fait la course? Quoi? Partez! Oh, ok! Je peux ralentir? Oui. Excusez-moi, mais j'avais gagné. Oui, je boude. J'étais devant d'Akumana Maspod. Bouh! La seule tourne! Je connais ces bêtes. Alors tu sais comment les battre? Oui, on comprend. Alors, maintenant, carré pour invoquer le faucon spirituel. D'accord. D'habitude, c'est beaucoup plus calme ici. Tu dois être Bernie. Non, tu es Loki. Attends, mais il est pas l'autre. Je m'en charge. Et ton faucon. Moi j'appuie carré, y'a rien. Bon, bah j'essaye le carré, mais y'a rien. Tape d'alpaki, on verra bien, allez. Bon, ils ont du carré. Non, carré, c'est que la madame qui t'aide. Bon. Et ça, les pouvoirs, comment les déclenche en fait? Ah, ça, c'est bon, je connais. Ok. Ok, ok. Nous sommes presque aux fresques où ma mère a rapporté les visions de Groa. C'était sa façon à elle de donner une trace, malgré tout ce que les âges nous infligeaient. Allez, monte. Je
Oh wow. Oh, tu verras tout ce sac palourdeau aujourd'hui. J'espère bien. C'est quoi ce truc? Bop. Ici. Tola. Ce ne serait pas de la magie vanne? De qui tu crois qu'ils la tiennent? Nous y sommes. C'est ici que tu vis? Mm-hmm. Par ici. C'est mignon. Eh hey, mais... c'est ma fresque. Je voulais justement la revoir. T'es prêt? Oui, je suis prêt. J'ai déjà vu ça, où les cendres de mer sont dispersées. C'était sur un mur. Tout était déjà arrivé, exactement comme prévu. Mais cette partie était abîmée. Oh, c'est nous. Qu'y a-t-il dans le sac? Je me demande qui il est. Attends. Ça ne va pas. Ça peut pas être vrai. Non. Non, c'est pas réel. Le bois de fer n'est pas réel. Lutin de garde non plus. Rien de tout ça existe. Hey. Wow, tout va bien. Tout va bien. Hey, ça va aller. Tout va bien se passer. Hey, regarde-moi. Hey, calme-toi. Respire. Ça va. Respire. Ça va. Respire. C'est bien. C'est très bien. Tu vois, tout va bien. Doucement. Ça va, tout va bien. Désolée, je sais pas ce qui s'est passé. Non, ne t'inquiète pas, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive à tout le monde? Pas le côté loup, mais avoir peur de son propre avenir. Ça peut pas être mon avenir! On voit que je sers Odin et que mon père meurt! Et ça, c'est impossible! Si, c'est même le seul déroulement possible! Plus vite tu l'acceptes, mieux c'est! Désolée, c'était indélicat. Écoute. Essaie de ne plus y penser pour l'instant. Oublie ton avenir. Oublie Loki. Tu es un géant. Et... à l'évidence, tu développes des pouvoirs que tu ne comprends pas encore. Marchons un peu. Tu peux m'aider dans mes tâches et je peux t'apprendre des trucs sur les géants. Allez, viens. Et la deuxième transformation pour le fiston. Ah, par contre, s'ils font vraiment tuer Kratos, il meurt, moi je joue plus. Pour les voir, ça. Ouais. Loki, j'aurais besoin de ton aide. Qu'est-ce que c'est? Tiens, suis-moi. Où est-ce qu'on va? Nous allons chercher à manger, planter des graines, toutes mes tâches quotidiennes. Mais d'abord, je dois te présenter quelqu'un. Oui, quoi? Comment?
je te présente Yala. Salut Yala. Ravi de te rencontrer. Oh, wow, c'est une belle bête, hein? Tu peux monter, moi? Allez, monte! Ouais! Tout doux. Ganga. Donc, tu es sans doute au courant pour le champion des... Yotna? Oui. Est-ce que tu préfères que je t'appelle comme ça? Non, je préfère Loki. D'accord. Champion. Et où as-tu dit qu'on allait déjà? Nous devons cueillir des fruits. En suivant la rivière, on devrait en trouver. Attention, c'est moi qui pilote. D'accord. Non, c'est leur nom. Elles poussent uniquement à Jotunheim. Ma mère et moi faisions des siestes à l'intérieur quand ma grand-mère et elle se disputaient. C'était le seul endroit où... Ça, c'est des ressources, ça n'a pas changé. C'est pour qui? Il faut bien que les loups mangent, non? Quoi? Ça? C'est la première fois que je vois ces fruits. Ce sont des vers bulbes. Ma mère m'en faisait manger un par jour. Pour la force. Par contre, leur goût est atroce. Ça a marché, on dirait. Oh! Je te demande pardon? On dirait qu'elle t'aime bien. Lui, tu peux le cueillir? Oui. Je l'ai. C'est Lou. Tu prends soin d'eux? Bien sûr. Ce sont mes amis. J'ai hâte de les rencontrer. Combien de ces fruits te faut-il? T'es pressé de partir? Non, mais... Je dois sauver mon père maintenant, apparemment. Loki, nous avons le temps. Je vois un fruit là-haut. Alors allons là-haut dans ce cas. Hop! Attends, tu me parlais à moi ou au yak? Je vais t'aider. Merci. Oh bah ouais, tu. Je t'en prie. Ici, approchez, voilà, comme ça. Après toi. Oh, sur la corne! Écoute, je sais qu'on s'amuse bien, mais... Ah. On devrait peut-être parler de ce que tu as vu sur la fresque noire. Y'a un truc dedans, oh! Je m'allierais pas à Odin si je devais perdre mon père. S'il y a une chose que ma mère m'a apprise, c'est que ses prémonitions ont tendance à se réaliser, d'une façon ou d'une autre. En plus, ça a l'air d'être un père bon... m'a appris à... fermer mon cœur à la douleur. Mais je peux pas. Pas cette fois. Et bien dressé. Tu sais, j'ai bien pensé à aller à Asgard.
Moi, je voulais là. Je ne le ferai pas. Ah bon ? Mon père ne m'aidait pas à comprendre mon destin. Mais quand j'ai vu Odin seul à seul, il était prêt à m'apprendre. Si tu étais seul avec Odin, il aurait pu te tuer facilement. Enfin, pas si facilement. Montons sur cette corniche. Takarikom Doom. Encore un fruit. On n'en a pas besoin, mais prenons-le quand même. Comment tu sais qu'ils sont mûrs ? Mes parents me l'ont appris. Ce n'est pas facile à deviner. Donc, c'est que tu ne peux pas prévoir tout ce qui va se passer. Seulement le feu. Tiens ! Yala ne peut pas passer sous ce pont. Ça y est. Allez, ma belle. Trouver ces ingrédients, nourrir tes animaux, tu fais ça tous les jours ? Oui, sinon ils mourraient. C'est beaucoup pour quelqu'un de ton âge. Notre âge. Oui. Une des dernières choses que mon père me confiait, c'est qu'il était désolé de n'avoir pas pu me protéger, et que j'ai eu à grandir. Au moins, tu as eu des excuses. Les pères savent manier les mots, hein ? Viens, toi ! Ok, faut tirer dessus. C'est plaisant, c'est une petite balade. Ça détend. Tu sais, peut-être qu'Odin voulait t'utiliser. Ou alors, ce n'est pas ce qu'on croit. Et c'est peut-être moi qui me sers d'Odin. Oh, tu maîtrises l'art de la ruse ? J'ai menti à mon père plusieurs fois. Ah, un maître du subterfuge. On va où ? Les verbulbes vont dans ce seau. Dis, si j'ai besoin de, disons, réparer mon arc, je peux... J'ai tout ce qu'il faut dans mon armoire à outils, de ce côté. Tant que j'y pense, il y a quelque chose pour toi à l'intérieur. Retrouve-moi auprès d'Yala quand tu voudras y aller. On peut rester ici encore un peu ? Aussi longtemps que tu voudras. Ok. Hey, c'est quoi celle-là ? Je l'ai peinte avec ma grand-mère. Je n'étais pas très douée. Bon, ça va. Ah d'accord, je crois que c'était juste une fresque. Qu'est-ce que c'est que donc ? Récupérer, oui. Joli. Formule. Alors, ça n'en a rien. Bon, bah allez. Et on a encore quoi du coup ? Ok. J'en ai une de pierre. Je savais même pas. Du coup, la pierre. Le truc qu'on vient de faire, c'est où ? Voilà. En vrai, les armes là, ça ne sert à rien avec lui, je pense. Bon. Alors. Les lignes de celle-ci sont très vivantes. Oh, waouh ! C'est un sacré compliment. J'aime beaucoup ce que tu as fait des couleurs sur celle-là. Oh,
Ce pigment bleu foncé dans le ciel, j'ai eu un mal fou à l'obtenir. Eh bien, tu as réussi. C'est magnifique. Merci. Oh, celle-ci, c'est ma préférée. Je suis très fière de cette main-là. Non, mais vraiment, regarde ça. Oui, c'est vraiment bien. Les mains sont vraiment dures à dessiner. On est d'accord. Ouais, la meuf, comment se la raconte? Hunger Boda, tout à l'heure tu as dit que Luton Guard peut être déstabilisant. Mais qu'est-ce que c'est? Tu connais Ymir? Le premier des géants. Il est mort il y a longtemps, non? Tué par Odin. Oui. Odin a détruit tout ce qu'il restait de lui, excepté une chose. Je sais pas si c'est le premier. Odin était incapable de les atteindre. Et maintenant? Bon, ensuite je cueille généralement les mandracines que je mélange avec. Enfin, à moins que tu veuilles toujours partir. Non, je peux rester. Je veux rester. Tu sais, après, t'es de corvée de patates. Aussi. Enfin, je dessine. Que dessines-tu? Toutes sortes de choses. Des monstres, des artefacts, tout ce que mon père et moi croisons dans nos voyages. Ton père est un artiste aussi? Non. Il y a des racines par ici. Tout doux, ma grande. Ça va aller. Tu n'as pas un animal qui pourrait... aller plus vite? Pardon, Yala. Bien sûr que si. Mais il ne pourrait pas nous porter tous les deux. C'est plus simple comme ça. Je comprends. Je m'occupe de celle-là. Il y en a une autre plus loin. Ne prends que ce dont tu as besoin. Tu vois? Trop tard, mon coup. Tu n'as pas besoin de ça. Les racines se détachent toutes seules. Voilà. Prends-en juste un petit bout. Tu tournes et tu tires. Comme ça? Exactement. On arrive! On arrive! D'autres racines par ici. Elle ne m'aime vraiment pas, hein? Mais si. Seulement, à part moi, la seule autre personne qu'elle ait connue n'est... Roger! Sur la crête! Oh oh! Oh, il est violent. Ah, c'était wow. Ah, je vois bien lui. Oh, comment il a volé lui. Je m'en charge. Alors, ça me fait peur à cause poudre. Tout va bien? C'est bizarre quand je me change. Je perds tout contrôle. Est-ce si dérangeant? En tout cas, c'est stylé. Bon. Comment on remonte? Quand même, c'est racine. Racine ici. Ramasse-en pendant qu'on cherche une sortie. Pas de couteau, tu te souviens? Oh, oui. On ne sera pas venu là pour rien. Tu tournes et tu tires. Wow. C'est le moment de se transformer. Oh oh.
Oh, oh. Tu m'as fait quoi là? Tu m'as fait quoi? Et je suis là. Ouf la tête. Oh, oh, attends, j'étais encore en chien, oh. Oh, enfin! Il est venu me chercher, lui! Oh, des douilles d'homme, voilà! Et la roulade! Trop tard. Bon, je devrais arrêter de tirer sur des racines. Ce n'est pas ta faute. Tiens, on dirait qu'un passage s'est ouvert de ce côté. Rattrapons vite Yala avant que d'autres n'arrivent. Tout va bien. Et toi alors, Loki? Seulement... de la colère. Une part de toi a libéré le lieu de cette colère. Peut-être dois-tu trouver la part qui le guidera. Comment? Tu peux combattre avec toutes sortes d'émotions dans le cœur, pas seulement la rage. Si la rage le fait sortir, une autre peut t'aider à être toi. Trouve la paix antérieure. Oh. Où il va ce pont? Attends. Tu trouves ça drôle? À vous. Peut-être. Tu es très très rigolote. On est rentré. Oui. Allons déposer ces racines dans le seau plus loin à gauche. Bon. Ensuite, j'aurai une dernière chose à te montrer. Tu sors d'où? Tout va bien? Oui, mais... on devrait retourner du côté de l'eau. Par ici. Ça te dérange pas si on reste encore un peu? On pourrait... je sais pas... réparer des choses? Oui. Tu peux te changer en un animal, toi? Pas encore. Mais toi, ça doit être lié à ta nature de dieu plutôt que de géant. Ah. Mais merci de me le rappeler. Pardon. Le tunnel sur ta droite, Yala. C'est par là qu'on va. Un passe. Ce sort me plaît beaucoup. Il cache cet endroit à merveille. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas senti d'autres géants quand père et moi sommes venus. Ah, on peut descendre. Et lui, il cache un cadeau. Tu ne devrais pas t'en servir avant de le découvrir. Comment? Je ne suis pas du genre à voler l'âme des gens. À mon avis, c'est notre chien. Il faut souvent du temps à Yala pour arriver. Que fais-tu? Ça me vide l'esprit. J'essaie de faire le plus de rebonds possible. Tu veux essayer? Ça a l'air facile. Oh. Tu veux que je t'aide? Non, je crois que j'ai compris. Voyons voir. Tu te moques de moi maintenant? Je me moque pas de toi, je... Vraiment? Je ris de la situation.
D'accord, oui. J'ai peut-être besoin d'aide. Tu y arriveras. Lance-le à plat. Il faut trouver le bon moment ou lâcher la pierre. D'accord. Regarde ça. Oh, je l'ai pas vu venir celui-là. Concentré dans mes petits tirs. Pas. Ah, il m'a réveillé. Je m'en charge. Mon dernier lancé, ça comptait pas. Oh, mais mon cœur est sorti de l'eau. La bonne excuse. Un petit bisou. On pourra toujours réessayer plus tard.
Bah c'était intense tout ça, messieurs, dames! Et encore. Et son soin. On peut encore jouer? Alors, on s'entraîne sans moi? Je finirai par m'améliorer. Je fais ça, il y a encore un monstre. Coucou. Tu commences à prendre le coup. T'inquiète. Bah pourquoi il s'est passé quoi là? Ah d'accord, c'est un mode de relâcher le truc en fait. Joli coup. Et ouais mon gars. Je vais le lancer là-bas, moi, pour que ça va loin. Bruh. Bon, ça va. Abandonne. Te revoilà, toi. Mais bon, messieurs, dames, c'est la fin de cet épisode. Qui est, il était très 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 sympa, très 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 cool. L'ambiance elle est folle, j'adore les couleurs, c'est beau. Puis jouer avec Atrius, c'est plaisant. Il est speed et tout, j'aime bien. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir et ça permet d'avancer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Ciao.